Oui, c'est effectivement un amendement d'un euro, mais pour vous appeler à garantir, à faire un plan d'urgence pour garantir le droit à l'eau. L'eau, ce n'est pas une fantaisie, c'est un bien commun qui est indispensable à la vie. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit à son article 1 que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et dans l'égalité des droits, je pense que le droit d'avoir accès à l'eau, c'est-à-dire d'avoir accès à la vie, doit être garanti. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon, dans la campagne présidentielle, avait proposé d'inscrire le droit à l'eau dans la Constitution. Mais je vais vous dire quelque chose, monsieur le ministre. Si les problèmes qu'on rencontre sur l'eau à Mayotte ou en Guadeloupe avaient lieu dans le 16e arrondissement de Paris ou à Neuilly-sur-Seine, ça ferait des plombes que ça serait réglé. Donc, les matières fécales dans l'eau, le manque d'accès à l'eau, les coupures d'eau et l'eau qui coûte trop cher, si jamais c'était dans le 16e arrondissement de Paris, vous auriez déployé tous les moyens de l'État pour le régler. Il est temps que la France soit à la hauteur des promesses de la République.